Spread out. Spread out, damn it. I said 50 feet. Well, come on, let's get out of here before it gets too dark. What's the matter? You afraid of the boogeyman? L'espace et sur des routes campagnardes, un personnage solitaire, extraterrestre ou vétéran du Vietnam est à la dérive. Il débarque dans un monde qu'il ne connaît pas ou qu'il ne connaît plus et va devoir affronter un groupe d'hommes surarmés. Rambo et Predator se construisent ainsi sur des bases très proches, un jeu du chat et de la souris en pleine forêt, dans lequel il est difficile de savoir qui est le chasseur et qui est le chassé. Mais le cinéma est une question de point de vue, et si le premier film s'accroche surtout au regard de John Rambo, le second choisit de laisser l'extraterrestre dans l'ombre, en se focalisant quasi uniquement sur le commando. Des choix narratifs forts quand on sait qu'au cinéma, le spectateur va s'attacher essentiellement au héros dont le point de vue mène le récit. Alors que les personnages sont au départ très proches, on s'identifie à Rambo, alors que le Predator, dont on ne sait au final rien, reste à l'état de menace mystérieuse. Les spectateurs des deux films se retrouvent ainsi dans des camps opposés. Et cela va pousser Rambo et Predator dans deux directions différentes. Nous sommes certes dans deux survival, mais l'un va tirer vers le drame, I didn't do anything. Tandis que l'autre tient plus du film horrifique pur. Rambo, co-scénarisé par Stallone et réalisé par Ted Kotcheff, sort dans les salles au début des années 80. Les années 70 et le nouvel Hollywood ne sont pas très loin, et le film se place dans cette continuité. En nous racontant le retour d'un soldat de la guerre, l'ancrage social est fort. À la manière d'un voyage au bout de l'enfer, Rambo embrasse les questions de son époque et montre un pays face à ses démons, l'incompréhension de l'Amérique profonde face à la guerre du Vietnam et ses survivants. How blind are you? Can't you see this guy's crazy? Can't you see? I don't give a shit. Une base de drame psychologique que les auteurs vont transformer en vrai film d'action. Rambo multiplie les morceaux de bravoure qui feront le genre dans les années suivantes. L'action est totale, en crescendo permanent. Pourtant, le film ne se conclut non pas sur le final explosif attendu, mais sur une simple scène de confession, avec un climax plus émotionnel qu'ébouriffant. L'intelligence du projet est là, dans sa construction entre intimité du personnage et spectaculaire débridé des situations. Se crée alors une image emblématique du cinéma. À la fois victime et bourreau de son pays, Rambo est un vrai personnage des années 70. Une image forte, qu'on la prenne au premier degré, en termes d'action pure, ultra jouissive, ou avec un peu plus de recul, avec lequel on voit tout l'absurde de la situation dans laquelle se retrouve le personnage. Le film fait ainsi figure de pont entre deux époques. En intégrant des thématiques des 70s dans une structure de film d'action totalement 80s, il devient un hybride étonnant entre le cinéma contestataire et ambigu du nouvel Hollywood et un cinéma de divertissement plus conservateur, typique des années Reagan, qui ont suivi. Un film aussi efficace que réflexif, un film qui va devenir un modèle du genre, mais dont les successeurs vont vite oublier l'aspect politique pour n'en reprendre que l'action débridée. Exemple parfait, Rambo 2, qui met de côté les ambiguïtés du premier opus pour devenir un des symboles du cinéma des années 80, avec un héros passant du statut de victime à celui de vengeur. Pour le pire et pour le meilleur, Rambo est donc à l'origine d'un nouveau type de cinéma, le film d'action total, qui sera dominant dans les années 80. Les productions s'enchaînent et les succès sont au rendez-vous. Avec Sylvester Stallone, l'autre star de l'époque est évidemment Arnold Schwarzenegger. Rivaux sur grand écran, souvent mis dans le même sac, les deux acteurs ont pourtant un parcours bien différent au sein du cinéma d'action.
quand, en 1987, Predator débarque sur les écrans, le public connaît désormais par cœur le genre et, à première vue, ce nouveau film s'inscrit complètement dans les codes de la période. De manière presque caricaturale même, dans les premières minutes. Musique, dialogue, posture virile, on a le droit à un enchaînement d'archétypes qui confine presque à la comédie. You son of a bitch. Commando est passé par là 2 ans avant, tellement hypertrophié qu'il marque l'apogée quasi parodique du genre. John McTiernan, dont c'est le premier gros film, en a bien conscience et ne va pas se contenter de surfer sur ces conventions faciles. Seule une scène répond aux stéréotypes des années 80, celle de l'attaque du village de guérilleros. Une séquence explosive, typique de l'époque, qui n'a d'ailleurs pas été tournée par John McTiernan, mais par la deuxième équipe. La réalisation plate et le montage cut tranchent d'ailleurs clairement avec le style du reste du film. Comme si les producteurs avaient imposé cette scène pour ajouter un peu d'action à la première partie de Predator et le rapprocher ainsi des productions standards de la période. Car pour le reste, le film est d'une toute autre ambition. John McTiernan va réussir à s'approprier un pitch qui aurait pu donner une série B décérébrée totalement dans les canons de l'époque. Loin d'une réalisation anonyme qui est la norme dans ce type de film, il fait de la principale contrainte du projet l'invisibilité d'un prédateur caméléon, le moteur de sa mise en scène. Les premières scènes d'attaque sont rapides, très elliptiques, voire hors champ. Il ne reste alors plus que la jungle à filmer avec les personnages au milieu. Plus que l'action, c'est donc le regard qui devient l'élément central du film, une constante chez le réalisateur. L'attente devient un des principaux enjeux du film, avec des personnages essayant sans cesse de distinguer la menace, et la caméra très mobile réussit à la transformer en véritable suspense, en jouant sur les échelles, les entrées de champ ou les reports de points. John McTiernan définit sa narration comme étant « expressive » dans le sens où c'est la caméra qui assure la narration de façon active. L'immersion est alors totale, viscérale. Le réalisateur joue ainsi subtilement avec la commande initiale, répondant aux attentes de ses producteurs, de manière absurde parfois, quand ses héros détruisent un pan entier de forêt sans toucher leur adversaire, tout en créant une expérience sensorielle forte, parfois à la limite de l'expérimental. Predator est ainsi une véritable épure d'un genre, le film d'action 80s, qui arrive à la fin de son âge d'or. Si Rambo est politique, Predator est donc lui sensitif. Mais en plus d'un goût partagé pour les gros flingues, les deux films travaillent également la même thématique, le retour de l'homme à la sauvagerie. Rambo et Predator se concluent sur des scènes emblématiques de leurs ambitions respectives. Brisé par les tortures, Rambo ne peut désormais vivre qu'en suivant ses instincts, de survie notamment, complètement inadapté à une société qui le rejette. En une scène, montrant un soldat surarmé faisant feu dans une petite ville américaine anonyme, le discours est posé. Le film confronte l'Amérique soi-disant civilisée à sa part bestiale. Une part bestiale qu'elle a créée, mais qu'elle refuse de reconnaître. Le constat est implacable. Si John Rambo finit avec tout un arsenal à sa disposition, Dutch doit lui abandonner toutes ses armes pour survivre. Le film d'action des années 80 regorge d'armes à feu, de technologies, de moteurs, et Predator se dépouille de tous ses artifices pour se conclure dans une ambiance quasi préhistorique. Les couleurs se désaturent, la brume crée une ambiance mortifère, et Schwarzenegger revient à un état primaire pour affronter son antagoniste. Si le retour à la bestialité permet au personnage de survivre dans les deux histoires, elle n'y a pas la même valeur. Elle est un fardeau dans Rambo quand la sauvagerie se confronte à la civilisation. La dimension politique du film fait du surhomme qui est devenu John Rambo un barbare, un paria, un être en décalage avec son époque. Predator préfère lui entrer de plein pied dans la mythologie. L'affrontement final est construit comme un duel hors du temps, entre un homme et un demi-dieu, et se rapproche plus d'un grand mythe ancestral que d'un simple climax de film d'action.
Dans Predator, le héros devenu surhomme touche quasiment au divin, alors qu'il est ramené à sa simple humanité dans Rambo. Cette opposition est au cœur des filmographies de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Leur carrière se recoupe sur de nombreux films, certains films d'action sont interchangeables, ils sont tous les deux passés par la comédie ou ont joué de leur image. The place where you're supposed to have the toilet paper, you got this little shelf with three seashells on it. He doesn't know how to use the three seashells. Mais si l'on se concentre sur leur rôle véritablement emblématique, la différence est forte. Conan est le Terminator pour l'un, Rocky Balboa et John Rambo pour l'autre. Stallone a créé son image en interprétant des rôles de prolo. Des personnages au destin certes hors du commun, mais bien ancrés dans la réalité. Schwarzenegger a lui explosé en campant des personnages hors normes, voire même des demi-dieux. Acteur mais aussi scénariste et réalisateur, Stallone s'est construit seul, en travaillant avec humanité, ses personnages emblématiques sur plusieurs décennies, alors que Schwarzenegger, artiste sans doute moins complet, a eu l'intelligence de se mettre entre les mains de grands réalisateurs aux univers forts. John Milius, James Cameron, Paul Verhoeven ou John McTiernan ont su utiliser son physique et transcender son image d'acteur. Difficile de mettre les deux comédiens dans le même sac. Leurs carrières sont bien plus différentes de ce qu'on pourrait s'imaginer à première vue, et Predator et Rambo, sur un sujet identique, en font clairement la démonstration.